suis hyper contente qu'on ait ce triple rendez-vous. Merci d'avoir accepté les filles. On avait refusé et on le fait à contre-cœur. Ouais, tu nous y as forcé, n'oublie pas. C'est vrai, mais c'est parce que je rêve de sortir avec le footballeur Duncan depuis l'année de 4e. Et si ses frères sont aussi mignons que lui, vous allez craquer tout de suite, j'en suis certaine. Ses frères? Mais je croyais que tu devais nous présenter ses amis, non? Ses frères sont aussi ses amis, ils ne sortent jamais l'un sans l'autre. C'est une famille unie. Salut Clover! Attrape! Ah 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 Bonjour Duncan. Voici les amis dont je t'avais parlé, Sam et Alex. Alors les filles, ça va? Ouais, ça va, on est au top. Je vous présente mes frères, Drew et Marcus. Alors, t'as envie de venir voir un film sur le foot avec moi, Alex? J'étais assez tentée, mais maintenant c'est un médecin que je veux voir. Super drôle, t'es marrante. Je te signale que c'était pas une plaisanterie. Marcus, comment se fait-il que je t'ai jamais vu au lycée? Bah, c'est parce que je suis toujours au collège, j'ai pas encore le niveau pour le lycée. Dépêchez-vous, vous aurez tout le temps de faire connaissance. On va rater le début de ce fabuleux film. On vous rejoint dans la salle. Elles ont dû oublier quelque chose. C'était en l'air, les filles. Bonsoir, les filles. Quoi de neuf, Thierry? Une effraction au Bureau international d'information. On sera sur place dans 10 minutes. Faites vite, peut-être que la sécurité de la nation est menacée. On trouvera jamais le malfaiteur. D'après le système de surveillance, l'effraction a eu lieu au 89e étage. Bonne nouvelle, en se dépêchant, on peut capturer le coupable et revenir au cinéma avant le début du film. Oh non, pas question d'utiliser l'ascenseur. Le cambrioleur nous entendra monter. Oui, Alex a raison, il faut emprunter les escaliers. Ah, j'espérais ne louper que le générique, mais on arrivera peut-être pour la prochaine séance. La prochaine fois qu'on grimpe dans un gratte-ciel, faites-moi penser à mettre d'autres chaussures. On n'est pas les seuls à avoir trouvé l'ascension un peu raide, apparemment. Mis à part un bon mal de tête, il devrait se réveiller en pleine forme. Oh, super! Bon, maintenant trouvons vite le malfaiteur. Je veux pas louper le cinéma. Ah, vous réfléchissez à deux fois avant de faire un vœu. On va l'attraper. Allez, venez. En voilà des manières. Le voilà l'imbécile qui a osé gâcher ma soirée. Et il fuit avec une espèce de tube à microfilm, ce voyou. Ah, eh ben, il plaisante pas, ce garçon. Où est-ce qu'il est passé? Essayons de lui couper la route. On le tient à l'attaque. Il s'est envolé ou quoi? C'est impossible qu'il ait disparu. Il n'a pas pu disparaître. Il a trouvé une issue, Alex. Il nous a piégés comme des rats dans cet ascenseur. Bon voyage. Accrochez-vous, jeune fille. On est au 75e étage. Bah, pas pour longtemps. Monte sur mes épaules, Alex, et essaie d'ouvrir la trappe. Elle doit être verrouillée, rien à faire, j'y arrive pas. Fantastique. Non seulement le Whoop m'a complètement gâché la soirée, mais il sera responsable de ma perte. Mais non, ne dramatise pas la situation, on va s'en sortir. Avant ou après le manque d'oxygène? Jerry, peut-être que le Whoop viendrait nous sortir de là en douceur. T'as dit en douceur? Je me souviens pas que le Whoop ait jamais fait preuve de délicatesse.
Oui, je reconnais Pierre. Il nous whoop toujours par surprise. J'ai horreur d'être secoué comme ça. Chute. Alors en ce qui me concerne, les filles, je préfère gérer seule cette histoire d'ascenseur. Ah, je dois bien avoir un petit gadget qui traîne là-dedans. Un truc du genre chewing-gum explosif, rouge à lèvres laser ou encore courbe-cils catapulte. Pour te rafraîchir la mémoire, Sam, je te rappelle que ça n'a pas toujours été un succès avec les gadgets. Oh, pourquoi repenser aux petites bavures? Faites belle, Alex. Oh, ça va, hein. Quand j'y repense, ça me rend malade. D'accord, mais reconnais que les gadgets nous ont plus d'une fois sauvé la vie. Tu vois, il y a plus négatif comme bilan. Qu'est-ce que ça change? Moi, je vois qu'une chose, sans le Whoop, on serait en ce moment même dans une salle de cinéma près de trois footballeurs hyper craquants. Ouais, peut-être, mais avoue que le Whoop t'a donné l'opportunité de rencontrer une foule de garçons super mignons. Bon, à tout à l'heure. Waouh! Pardon, excusez-moi.
c'était le plus craquant. Oh, quand j'y repense. C'est pas ma faute si je suis irrésistible. En fait, tu devrais remercier le Whoop. C'est vrai que j'ai fait pas mal de conquêtes. Oui, et n'oublie pas qu'on a visité plein d'endroits magnifiques. Partir en mission, c'est presque partir en vacances. En tant qu'espionne. Évite les mouvements trop brusques ou bien l'ascenseur risque de dégringoler. Pour être franc, je trouve qu'une telle chute est un cauchemar encore pire que lorsqu'Alex conduit. Je m'en suis bien sortie là. Oui, ça rattrape certaines fois où... Pire, j'exagère. Oh, c'est pas juste ce que tu dis. J'ai conduit ma voiture pendant toute une semaine sans égratigner la carrosserie. Je progresse. Bravo, ça mérite une récompense, Alex. Ouais, je me suis offert ça. Oh. Écoute, notre seule chance de sortir de là, c'est l'intelligence de Sam. Elle est si brillante. Oh, je t'en prie. Je ne le suis pas à ce point-là. Arrête, ce sont toujours tes ressources mentales exceptionnelles qui nous tirent d'affaire. Clover, c'est peut-être un piège. C'est une bombe. Rectification, une bombe thermosensible. On peut la désactiver. Vite, utilisez vos ceintures à filin d'acier. La solution. Ça nous aide un peu à supporter tes airs supérieurs, ça compense. Venant de Clover, cette remarque est forcément un beau compliment, Sam. La raréfaction de l'oxygène commence à endommager son cerveau. Je pourrais peut-être essayer de bricoler les circuits électroniques du tableau de commande. Ouais, vas-y, Sam. Attention,
un court-circuit. Apparemment, cette fois, on est tombé sur un adversaire impossible à battre. Quoi, tu plaisantes? On a soumis plus coriace et plus dangereux que ce stupide ascenseur. On a connu plus redoutable, hein. Éliminez ces petites têtes! Oui, on en a affronté des brutes déterminées. Le moral, tu t'y prends mal, ma pauvre Alex. Me rappeler toutes ces missions hyper difficiles qu'on a remplies me fait réaliser que je déteste le Whoop et que ça m'a gâché la vie de faire de l'espionnage. En fait, je crois que je partage ton avis. On a fait que prendre des risques et... Ah non, le pire me semble à venir. L'ascenseur prend feu. Alex, pourquoi tu fais ça? Arrête! J'ai parfois été désagréable et je le regrette. Vous êtes mes meilleurs amis. J'ai eu de la chance de vous connaître. En fin de compte, c'était pas si terrible. C'est vrai, je m'attendais à une douleur atroce. C'est parce que l'ascenseur ne s'est pas écrasé. On est en vie. Ouais. Bonsoir, les filles. Jerry! Merci, Jerry. Vous nous avez sauvé la vie. Merci. En fait, je n'y suis pour rien. Remerciez plutôt notre nouveau gadget. Magie ou mousse anti-choc de gonflage instantané. Vous savez quoi, les filles? Bien qu'on se soit beaucoup plaintes du Whoop, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans notre métier d'espionne. C'est quoi? Jerry! Oui, nous aussi! Merci. Qu'attendez-vous pour courir rejoindre vos petits amis? Vous êtes libres. Mais le malfaiteur court toujours. Ah, nous l'avons capturé près d'ici et nous l'avons désarmé. Mini canon à fusion moléculaire. Avec ce smell avant à tous, il pouvait pas courir bien vite. Génial! Allons-y vite! Mon Duncan doit m'attendre avec impatience. Oh, pas de chance, je crois que la séance vient de se terminer. On arrive trop tard. C'était super. Oh non, les voilà! Vite, il faut que je trouve une bonne excuse. C'est incroyable! Totalement d'accord. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Je parie que ça va devenir un film culte. Il y a vraiment plein d'émotions et beaucoup de bonheur.
et de tristesse. Et des fractures. Et des coups de talon dans l'estomac. On se fait une petite pizza? Bonne idée, ça m'a ouvert l'appétit. Ah, c'est génial! Ils n'ont même pas remarqué notre absence. Ah, d'accord, c'est cool, merci! Duncan n'a même pas remarqué mon absence! C'est fini, terminé, je le plaque! Oh! Alors, on n'est plus obligé de rester avec eux? Non, on est libre. Tu veux voir un bon film? Oh, moi, tant qu'on n'a pas à monter dans un ascenseur, tout me fait plaisir!